Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Garry's Mod, un mode Dark RP. Et aujourd'hui, nous allons faire Poppy Playtime. Ou le Huggy Wuggy. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé, donc si vous kiffez, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire quelle autre scène RP ou quel autre monstre vous voudriez qu'on fasse. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications, c'est le plus important, comme ça on va vers le million. C'est parti! Les amis, comme vous pouvez voir, j'ai essayé de reproduire l'usine de Poppy Playtime. On a même la petite statue, comme vous pouvez voir. Bon, on a essayé de refaire une usine de jouets, on est sur Gmod, alors c'est un petit peu compliqué. J'ai même mis les cassettes vidéo de couleur pour que ça puisse un peu aiguiller les joueurs. Parce que oui, les joueurs, quand ils vont rentrer ici, eh ben, ils seront piégés. Ils devront essayer de sortir de l'usine. Comme vous pouvez voir, ben, j'ai mis des jeux partout. J'ai mis des magnétoscopes de couleur justement pour qu'ils puissent mettre les cassettes. Ils devront amener les cassettes au magnétoscope pour avoir du coup ben, l'instruction. Il y a une clé qui est cachée sur cette map. Et cette clé permet d'ouvrir le cadenas qui permet d'ouvrir la porte du hangar. Alors bien évidemment, il y a 3 cassettes à trouver. Ça peut être un petit peu compliqué, mais... Et franchement, c'est possible qu'ils s'en sortent. Vraiment, c'est possible. J'ai mis un message, j'ai vu un truc louche à l'usine de jouets désaffectés. Faites gaffe. Il y a déjà quelqu'un qui vient. C'est improbable. Attends, bah garde-toi. On va aller voir. C'est bon. C'est très bien que Robex, il est légal. Je sais très bien. Bah attends, donc voilà. Oh. What the fuck. C'est improbable, lui. Je viens d'avoir un grave accident là. Viens jouer avec moi. Astaghfirullah. Il vient de faire plus complexe. Bien sûr, hein, vous êtes propriétaire des lieux là, vous faites quoi là? Vous avez fait un accident à toi de berzingue. J'ai pas fait exprès, j'étais trop vite. Ah bah faites attention. Bien ça vous dérange pas, je viens avec vous. Ah si, ça me dérange. On est en train de tourner une vidéo là. Revenez après si vous voulez. Ah, une vidéo sur YouTube. C'est pour un urbex. T'es né sur Bex, vous connaissez. T'es né sur Bex. Pour l'instant. Ah, c'est le grand gilet. Le grand gilet. Je connais pas. Peut-être. T'as entendu ou pas? Bon. On fait l'intro. On fait l'intro? C'est des youtubeurs. On fait l'intro. Vas-y, c'est bon pour moi. J'allume la lumière. C'est 3, 2, 1. Tu veux jouer avec moi? Ah, salut à tous, c'était des surbex comme vous pouvez l'entendre. On est déjà sur un urbex, là, on a trouvé un entrepôt, c'était un monde jouet. On entend déjà des bruits bizarres. Mais encore vous quoi. Ok, j'ai fermé la porte. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, on le foutra au montage, là, c'est un guignol. Tu veux jouer avec moi? Quoi? Je suis le Huggy Wuggy. Bienvenue. Quoi? Bienvenue dans l'usine. L'usine. T'as y'a des quoi, t'en as ramené de la spirit box. De MF, ouais. En vrai. Ils font une vraie enquête. Allez, laissez de sortir. Comme si l'entrepôt aurait été quitté du jour au lendemain. C'est dingue. Tout y est resté, tous les jouets en frac. Tu veux jouer avec moi? Je suis ta meilleure amie. Tu veux jouer avec moi? Je suis ta meilleure amie. C'est flippant là quand même. Hein. C'est pas chaud flippant quand même déjà. What the fuck. Combien de temps que ça a été arrêté ça? Tu m'avais dit? Alors ça c'est arrêté depuis donc les années 2005. Hein, 2000-2005 dans ces eaux là. Putain. Bon pendant, bah, tu sais quoi, pendant que l'autre il joue au Yamakasi, je pense qu'on va faire un truc de spirit box. Oui, ouais, stylé. Tu es. Oh. T'as pas qu'on entend un truc, on entend un truc. Qu'est-ce qui se passe hein? Et c'est quelqu'un? Oui. J'ai quoi besoin? Comment vous vous appelez? Oui. Enchanté, Hug. Je m'appelle Jason, on ne veut pas de... Tu es. Comment tu es? Il a dit quoi là? Attends. Ça, tué. Il a dit quoi? T'es tué? Mort. Tu es... Ah, il est mort. Oh oui. Mort. Tu es mort comment? Tu es mort comment? Non, tu es mort. Ok. Comment tu es mort? Oh, ok.
Qu'est-ce que c'est que ce... C'est genre là. C'est quoi ça? Quoi ce délire? Ah moi j'arrête hein. C'est quoi, mais attends, t'as entendu là ce qu'elle a dit? Elle a dit tu es morte. Mais c'est quoi? Bon je pense qu'on va arrêter là, on va revenir plus tard. Les employés de l'entreprise sont amenés à regarder les VHS. N'oubliez pas de prendre des pauses, mais pas plus de 10 minutes. Et pourquoi encore les poussées déjà depuis un temps? Après quoi? Ah mais ça fait 10 ans ça, 20 ans. Attends, je vais aller voir, putain, où est-ce que c'est ça? Les 4 vidéos sont faites pour vous apprendre la chaîne de production. Les poppies sont les poupées les plus perfectionnées de notre ère. Les poppies sont vos meilleurs amis. N'oubliez pas de regarder les VHS. Les VHS sont importantes pour votre travail. La poupée s'appelle les poppies. Les poppites. C'est chou. Ah, les poppites. Ok, les poppites. Attends, il faut qu'on trouve une VHS. La vidéo, elle va faire au moins 1 million de vues, là. Qu'on filme. Jusqu'on entend. C'est bon, j'ai trouvé la VHS. C'est ça, porte, là. Oh là là, ah c'est bon. Bienvenue chez Poppy. La poupée la plus perfectionnée de notre ère. Cette vidéo est là pour vous rappeler les consignes de sécurité. Ne regardez jamais le Huggy Wuggy dans les yeux. Attention. Ici, la seule sortie est la fin de ligne de production. Quoi? Voilà, regardez, non, c'est la fin de la ligne de production. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il faut pas regarder quoi dans les yeux? Mais je crois que c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'on a fait par contre? Poppy! VHS numéro 2. La seule sortie est malheureusement cadenassée pour la sécurité de nos employés. Ce cadenas n'a qu'une seule clé. Veuillez ne pas la perdre dans la chaîne de production. Votre référent doit posséder la clé pour que vous puissiez quitter votre établissement de travail. D'accord. On peut pas cliquer le cadenas, je sais pas. Attends, j'ai pas compris. Je peux juste pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait enfermé ici en fait? À la base, on est pas venu. C'est venu pour un Orbex. Le référent ne doit pas oublier la cassette bleue. La cassette bleue indique la clé. On se fasse attention. Oh, c'est bon. Nous sommes de retour pour la vidéo du référent. Vous êtes donc un référent. Si vous avez mis cette VHS, c'est pour ne pas oublier où vous avez mis la clé pour la dernière fois. Vous avez normalement dû réécrire la VHS pour que celle-ci indique où est la clé. Attention, vous indiquez l'avoir perdue sur la chaîne de production, sur un des rails. Vous êtes donc dans une... J'ai pas compris. Bon bah écoutez les gars, voilà. Ah, j'aurais donné toutes les infos là. Putain, merde. Putain, putain, je pensais tellement qu'on pourrait le contrôler. Ah oh non, je suis deg. Putain, on peut pas le laisser crever. Putain, je vais pas me lever. Éteins la caméra, on s'en fout de la caméra. Il est l'heure de la fin du travail. Veuillez vous diriger vers la sortie. Demandez à votre référent la clé de sortie. La seule clé de sortie vous permettra d'aller à l'extérieur. La clé de sortie est sur le rail de production. Veuillez grimper sur le rail de production. Ah, quelle horreur. Rail de production. Putain, il est cassé. Merde, il va à travers les murs et tout. Qu'est-ce qui se passe, c'est sûr? Il a buté, dommage, il avait presque trouvé. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Putain de merde! Putain, je suis enfermé là-dedans. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Il y a quelqu'un là?
Putain de merde. Il l'a vu. C'est cadenassé. Ça leur apprendra. Les flics qui veulent rentrer. Plusieurs enfants là. Ok, rentrez. Oui, wesh, allez extraire McLaurin, wesh. Veuillez prendre vos tenues de travail. Il ressemble plus à rien, il a été dit. Il est interdit de venir travailler sans sa tenue de travail. Vite fait. Poppy est la meilleure poupée jamais réalisée dans le monde. Wow. C'est quoi cette radio là? Putain, c'est quoi ça? Vite, venez, venez, venez. Bienvenue. Je suis le Huggy Wuggy. Bienvenue. Je suis le Huggy Wuggy. Bienvenue. N'y allez pas tous en même temps. S'il vous plaît. Ah, fais peur. Sortez. Ok, le Huggy a disparu de là. Et il va apparaître bien évidemment ici. Mais il est trop puissant. C'est qui Huggy Wuggy? Mais voyez les gars, non mais Petrina, voyez, vous êtes pas dans le rationnel en fait. En fait, tout peut s'expliquer toujours, voyez. Oui, bah oui, t'es en train de m'expliquer que tout ça c'est normal. Tous les non, corps. Mais, laissez votre arme. En fait, si vous êtes sympa avec lui, il sera avec vous. C'est une question de donnant. Baisse ton arme. Mais comment tu veux être sympa si on... pas trop envie de lui dire bonjour. Ok, starfullah. Ok. J'ai mis plein de morts à l'ancienne usine de jouer What the fuck un serial killer. Il est vraiment flippant. En fait, si on peut le contrôler, je me disais que c'était bizarre. Tu veux jouer avec moi? Je suis ta meilleure amie. What the fuck? Bien joué, Tu veux jouer avec moi? Je suis ta meilleure amie. Tu vas te faire enlever la suite, hein. Ok, est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il me voit ou pas? Jésus! Oh là là, c'est énorme! C'est énorme de le contrôler! C'est énorme! Le bleu. Il arrive pas à parler. Quoi, bleu? Bordel. Oh. Attention. Les temps de pause ne sont pas autorisés supérieurs à 10 minutes. C'est quoi ce bordel? Oh. Veuillez rejoindre la chaîne de production. Hey gros, j'ai failli... Hey gros, y a une voix chelou là, fais attention. Ouais gros, ça... Hey gros, c'est le week-end. Y'a qui vient, y'a attention. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oula. Je suis dans la salle de contrôle. Allô, lâchez-vous. Je suis dans la salle de contrôle. Aidez-moi. Le Guy Wonky, il va nous tuer. La clé pour sortir d'ici. Est coincé sur la chaîne de production sur un rail. Il arrive, il est plus dans l'entrée, je le vois plus à la caméra, au secours. Sur les échafaudages. Grimper. Il est énorme lui. Il est énorme. Vite, montez sur la caisse et montez sur l'autre ligne de production. C'est sur l'autre ligne de production. Vite, il est à côté de vous. Il est à côté de vous, prenez la clé. Ouvrez le cadenas et barrez-vous. À la porte principale. Non, de l'autre côté. Il est là. Il court vers vous. Oh. Où ça? Ok. Ça va. Oh.
C'est là que le Huggy Wuggy doit arriver et il l'a libéré forcément. Ok, non, normalement il peut me tuer. Je... Oh, oh. Ah, regardez! Y'a tout le monde qui se bat, y'a tout le monde qui se bat! Ouais, y'a les mecs des quartiers qui me tirent dessus! Oh! À la radio, ils ont dû entendre. Oh! Ils font que courir! Putain, mais... Et il lâche pas, lui, hein. Elle, il veut pas mourir. Son pote l'abandonne. C'est une blague. Oh, le bordel. Oh, le bordel, c'est l'apocalypse. En plus, j'ai 10 000 FP, il peut vraiment me tuer. Je vais les écraser. Yo, yo. Yo. Bon bah écoutez les amis, le Huggy Wuggy a réussi à s'enfuir de l'entrepôt à cause de la personne qui a trouvé la clé. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, à vous abonner. Je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Salut !